Salut à tous, à Asphax, on se retrouve pour le 16e épisode de l'aventure sur Minecraft avec le mode Days on Fire. Lors du dernier épisode, on avait pu chevaucher notre dragon de glace, notre dragonne de glace, elle est juste derrière. Elle est niveau 3 tout pile avec 51 jours d'existence, donc il va falloir continuer de la faire grandir pour qu'elle soit de plus en plus puissante, qu'elle ait plus de points de vie, plus d'attaque, plus d'armure. Et au niveau justement de son armure, elle a pour l'instant la tête et le corps en diamant, il lui manque le cou et la queue, donc il va falloir que je continue de farmer du diamant pour pouvoir l'armurer à 100%. Donc ça, ce sera un des objectifs principaux qu'on va continuer au fur et à mesure des épisodes. Maintenant, ce qui serait pas mal, ce serait qu'on attaque la reproduction des dragons, notamment les dragons de feu. Je pense qu'il serait pas mal, si on veut avoir toutes les forges de dragons dans cette série, et bien qu'on commence à s'attaquer au feu, ça me permettrait notamment peut-être de me faire une, entre guillemets, une meilleure épée que celle-ci, que cette épée en acier de dragon électrique. Celle-là, on a du mal à l'utiliser, parce que vu qu'elle frappe les cibles avec la foudre, bah, c'est évidemment très très puissant, mais ça met le feu partout, donc c'est quand même un petit peu galère. Donc j'aimerais bien avoir une épée en acier de dragon, soit de glace, soit de feu. Donc là, pour l'instant, je vais me concentrer un peu sur la forge de feu, et après, on fera la forge de glace. Ce qui serait pas mal aussi, plus tard, puisque je l'ai jamais fait dans Ice and Fire, ce serait d'avoir un dragon qui a... un stuff entier en acier de dragon. Alors, pour faire ça, encore une fois, c'est pas génial, mais c'est la seule solution, je pense, hein, pour que ça marche. Ce serait de faire de la reproduction de dragons, d'avoir vraiment plein de dragons, de les laisser grandir jour par jour sans les nourrir. On va les nourrir avec du bœuf, etc., mais sans leur donner des repas de dragons. Et comme ça, quand ils seront suffisamment grands, genre niveau 4 ou 5, eh bien, ça va être de les tuer, nos propres dragons, c'est ça qui est un peu triste. Et comme ça, on pourrait récupérer plein de fioles de sang de dragon, et à ce moment-là, on pourrait potentiellement essayer de faire ça. C'est à mon avis la seule solution si on veut faire une vraie armure de dragon. C'est pas possible d'aller chercher, de trouver des dragons partout dans la nature pour pouvoir faire un stuff complet. Il faut énormément de trucs, hein. Je rappelle, si on veut un stuff en dragon, en acier de dragon, pour notre dragon, alors attendez, je vais essayer de vous trouver ça, voilà, c'est ça, armure en acier de dragon électrique, il nous faut des blocs entiers d'acier de dragon électrique, donc ça coûte extrêmement cher. Pour faire un seul bloc, faut déjà au moins tuer deux dragons, donc voilà, ça veut dire que là, pour ça, il faut tuer au moins 10 dragons, plus ça, il faut en tuer 10 autres, plus ça, il faut peut-être en tuer 15, 20, enfin bref, il faut tuer plein de dragons, donc c'est vrai, on peut pas chercher des dragons tout le temps à l'infini, donc voilà, la solution c'est ça, c'est de faire un nombre exponentiel de dragons. Donc pour ça, on a des dragons femelles, comme celle-ci, voilà, et on a des dragons, vous avez vu, je les renourris, hein, parce qu'elle avait faim, tout ça, hop, je continue, hop, on m'a dit dans les commentaires, hop, le dragon a faim, le dragon a faim, voilà, donc hop, je nourris. Et ce dragon là, c'est un mâle. Donc lui, il va falloir que je le passe niveau 3 pour pouvoir commencer à faire des reproductions. Et là, tout de suite, dès cet épisode, eh bien, on va commencer à reproduire les dragons. On va essayer d'en avoir plusieurs, ce qui me permettra déjà peut-être d'avoir d'autres couleurs de dragons, ce serait cool. Et ensuite, de les faire grandir. Faudra aussi que je me construise des grands nids de dragons pour pouvoir poser mes dragons un petit peu partout sur des zones plates. Ce serait quand même peut-être plus facile. Pourquoi pas commencer déjà dans cet épisode. Faut voir un peu. Pour des dragons de feu, qu'est-ce que je pourrais faire? Bon, sinon, tout simplement de la netherrack. J'en ai plein, je pense. Ouais, j'en ai plein. Ça pourrait être pas mal. Et après, je les entoure de cendres ou de pierres des abîmes. Ça pourrait être une bonne idée. Je pense que je vais faire ça. Je pense que je vais faire ça. Ok. Donc déjà, la première étape, c'est de faire grandir le dragon mâle pour pouvoir le faire se reproduire. Donc, on va aller tuer quelques poupoules dans notre ferme à poupoules. Attention, c'est parti! J'ai raté. Il y a beaucoup de bébés, donc bon, ça va pas donner beaucoup de poulets. Voilà, donc là, je rappelle, j'ai butin 2 sur cette épée. Là, j'ai 11 poulets, ouais, c'est pas génial. Hop, et là, j'en ai maintenant 46. Ok, on va déjà faire ça pour le moment. Je vais récupérer les petites poules qui se sont échappées. Ok, et là, je peux en faire combien des repas de dragon? 12 de plus. Ah ouais, je peux me faire des bottes, ok. Ok, 15 de plus. Je pense que c'est pas suffisant, mais déjà, le dragon va grandir. Et oh, hop, voilà. Alors, petit bébé dragon. Tac, 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 tac. Il grandit. Tac, 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 il grandit. Et là, du coup, il est... J'arrive pas à voir. Il lui manque 12 jours pour être niveau 3. D'accord.
Alors dans ce cas, est-ce que j'ai encore d'autres viandes à la maison? Je suis pas sûr. Alors si, j'ai 17 poulets ici, c'est pas trop mal. Est-ce que j'en ai là? Non, ça rajoute combien? Ça m'en rajoute 5. Ça m'en rajoute 7. Ok, il m'en manquera plus que 5. Alors je vais déjà lui donner, et à la limite je vais commencer à construire le nid de dragon pour avoir de la place. Et après, du coup, pendant ce temps-là, bah, les poules vont grandir et je pourrai peut-être de nouveau avoir suffisamment de nourriture pour le faire passer au niveau 3. Alors, viens là. Hop. Voilà, on est pas mal. Ok. Bon, alors là, maintenant, construction d'un nid de dragon. Ça prend un peu de temps. Je vais faire exprès. Ce sera peut-être un petit peu moins joli. Mais de faire des nids bien plats. Parce qu'en fait, si je veux que mes dragons se reproduisent, il faut qu'ils soient sur des endroits bien plats. Donc voilà, j'ai pas trop le choix finalement. Oh, j'ai plein de bazar, j'ai plein de bazar. Tac, 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 tac. Voilà. On va prendre la pierre des abîmes. On peut prendre un peu de roche carbonisée pour changer, mais j'ai plus de pierre des abîmes que de roche carbonisée. C'est pour ça. Ok. Donc je pense qu'en fait, toute cette zone-là que vous voyez ici, là, tout ça, il va falloir transformer ça en nid. Donc c'est parti, il y a du taf, en route! Voilà, alors je vous ai pas mis tout le timelapse, ni j'ai pas fini le nid, hein, tout simplement parce que ça me prend vraiment beaucoup de temps et beaucoup de ressources. Mais voilà, dans l'idée, les nids commencent à se dessiner. Donc là, c'est pas mal. Ça fait vraiment c'est des grands nids, mais au final, là, je mets un dragon au milieu de ça et ça y est, j'ai plus de place. Hein. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc, il faudrait que j'arrive à mettre ces nids, voilà, tout le long là du village et presque jusqu'au bout là-bas, presque. Hein. Ça va prendre vraiment beaucoup de temps, mais voilà, c'est faisable. On va déjà commencer à placer les dragons pour la reproduction. Donc, il y a ce dragon vert, cette femelle. Hop, voilà. On va la placer ici sur le nid. Donc voilà, comme je vous dis, ça prend de la place, faut pas exagérer. Hop, voilà. Donc tu vas te reposer. Je pense que c'est déjà le cas. Et le mâle, on va le faire venir, mais il faut que je fasse grandir. Alors est-ce que j'ai eu des poules entre-temps? Je pense que oui. J'espère qu'elles ont grandi. Ce serait quand même pas mal. Voyons voir. Les poupoules, ça va? C'est pas mal, les poupoules. C'est pas mal. Hop, hop, hop. Ok, c'est bon. Je me fais attaquer par sûrement un basilic, mais je sais pas où est-ce qu'il est. Il est où le basilic? Vous le voyez? Ah, il est là. Il est blanc comme les poules. Du coup, j'ai du mal à le voir. Ah! Hop. Ok, il brûle, mais je prends des dégâts aussi moi. Ah, il est presque mort. Ok, c'est bon. Donc là, j'ai eu 39 poulets en plus. Ça devrait être suffisant pour faire grandir. Ah ouais, mais j'ai plus d'os. Pour faire grandir le dragon noir. Alors, des os, j'en ai plein là-dedans. Voilà, le dragon noir, on a dit il fallait 5 repas, je crois. Le reste, je vais économiser un peu parce que bah, même pour moi, j'ai plus grand-chose à manger. Je vais peut-être même cuire le poulet. Comme ça, je pourrais l'utiliser pour moi si besoin. Ou je pourrais l'utiliser du coup pour les repas de dragon quand même. Hop. En attendant, je me sacrifie, je mange de la chair putréfiée. Miam, 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 miam. Voilà. Bon, c'est moins pire que rien. Mais bon, voilà. Allez, ça prend de la place, hein. Il va me falloir. En gros, là, ce nid-là, avant que je fasse au moins x6, x7 pour tous mes dragons, ça va être compliqué. Ok, allez. Toi, hop. C'est tout? Attends. Mais. Qu'est-ce qui se passe?
Je croyais que j'en avais fait 5 des. Je viens de lui donner que 3 nourritures de dragon. J'en ai mangé ou quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai foiré un truc. Je vais refaire 2 nourritures de dragon. Hop, vas-y, ça c'est bon. Voilà. Il me manque les os. Hop, 2 repas de dragon. Et hop, ce sera bon. Et après, il faut que je voie du coup pour faire les espèces de soupes qui me permettent de les reproduire. Il me faut la fleur de lys, il me faut un bol, et il me faut peut-être autre chose. Je me rappelle plus exactement. J'espère que c'est pas trop compliqué. Voilà, c'est bon. Donc là, celui-ci peut être chevauché. Il est assez mature pour pouvoir se reproduire. Et donc, je le mets à côté de la femelle. Il paraît vraiment tout petit, hein, à côté déjà. La différence entre le niveau 3 et 4 est quand même énorme déjà. Voilà, tu dors, c'est parfait. Alors, pour faire cette soupe, où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Une petite soupe de dragon. Ici, mélange de lys de feu. Un bâton de blaze, un bol et un lys de feu. Est-ce qu'il me reste des bâtons de blaze? C'est pas sûr. Au pire, ce serait pas compliqué d'aller en chercher. Ouais, j'avais un truc spécial Nether, je crois. Ah, bâton de blaze, j'en ai 3 ici. Il me faut du bois. J'en ai pas. J'ai même pas de hache en vrai. Je suis vraiment pas bien équipé pour ça. J'ai pas de hache. Eh ben écoutez, je vais me faire une hache en diamant, histoire d'être tranquille. Mais j'ai même pas de bâton. Si, j'ai des bâtons, c'est bon. Ouf. Ok, alors. Mince, le jeu considère que je suis sur mon dragon. Bon, je me fais une hache en diamant. Je vais même l'enchanter un peu si je peux, avec de l'efficacité ou de la solidité. Et je vais aller me ramasser du bois, parce que je suis toujours en galère de bois. Toucher de soi, non, c'est le pire. Solidité 2, bof, c'est pas génial, mais voilà. Bon, c'est pas génial, j'ai pas eu de chance. Ok, je vais chercher vite fait du bois. Je vais chercher des pousses de bois et je vais les en replanter à côté de chez moi, parce que, bon, là, je suis quand même un peu en galère. Ah, y a plus de chaîne du tout. C'est vraiment catastrophique. J'en ai là, c'est bon. Mais il faut vraiment que je ramène des pousses à la maison. Ça se trouve, j'en ai dans les coffres des pousses, j'ai pas regardé. Mais voilà, je commence à me ramasser un peu de bois. Ouais, j'avais 3 pousses à la maison. C'est déjà pas si mal. Avec des poudres d'os, etc., je pourrais les faire pousser facilement après quand je vais en avoir besoin. Hop, voilà. Ok, donc là, normalement, je peux faire mes bols. Je peux faire 3. Ah oui, j'ai pas assez de bâtons de blaze, il faudra que j'aille en chercher plus. Mais on va déjà pouvoir faire quand même quelques bolinettes. Hop. Alors ça, bâtons de blaze et des lys de feu, j'en avais ramassé, je crois, non? Lys de feu, j'en ai là. J'en ai là. Bon, c'est bien. 4, ce serait bien. Et donc, je fais des soupes. Voilà. Et normalement, déjà, je pourrais faire une première repro dragon. Faut juste pas que je les mette à se reposer. Faut que je les mette à errer ou ce genre de truc, je crois. Donc toi, tu te mets à... Ou m'escorter, c'est peut-être pas mal, ça. Hop, hop, il y a des cœurs. Et normalement, la femelle devrait se déplacer jusqu'à ce qu'elle puisse poser son œuf. Voilà, du coup, là, on a un œuf de dragon gris. Ok, et j'ai visiblement de l'XP. Ok. Alors attendez, maintenant vous allez arrêter de m'escorter. Voilà. Et je vais aller chercher d'autres bâtons de blaze. On va essayer de faire plusieurs repros. J'aimerais bien avoir d'autres couleurs de dragon. Mais je ne sais pas. Parce que là, du coup, finalement, on avait un dragon gris, un dragon vert. Ça a fait un dragon gris. J'ai hâte de voir en fait si elle est capable de me pondre un œuf rouge, par exemple, ou pas du tout. S'il faut vraiment que j'aille chercher un dragon rouge pour avoir un dragon rouge quand c'est comme ça. Ça va là, ça va aller, ok, donc c'est parti, on va aller combattre juste quelques blazes. Au passage, hein, je récupère encore de la netherrack pour mes nids de dragon. Je sais plus exactement, j'ai trouvé des blazes là, mais j'ai pas trouvé les spawners à blaze. Pourtant, je suis sûr que j'en avais quelque part. Je ramasse aussi du quartz, je vais en avoir besoin pour la décoration de ma maison. Hein. J'ai pas fini la zone de glace. J'ai bien entendu hein, toutes vos critiques, positives ou négatives, hein, pour la zone de feu aussi, où je pouvais rajouter de la cendre, tout ça. Si j'arrive à avoir des roches craquelées, tout ça, ouais, je rajouterai ça à la place de la cobblestone, ça marche. Mais pour l'instant, voilà, j'ai déjà tellement de choses à construire. Je vais me concentrer sur le nid de dragon. On va essayer de chercher des bâtons de blaze. J'en ai 2 pour l'instant, mais j'aimerais bien en avoir un peu plus pour pouvoir faire vraiment beaucoup de repro de dragon. Ça serait sympa. Hop. Mais je sais pas où sont les spawners. Par contre, j'ai plus de place en fait. Je ramasse 0 netherrack là. Hop.
Bon bah j'y vais en grande bourrin, au moins de gros bourrin sur les toits, hein, parce que pour l'instant je trouve pas de... Je trouve, tant pis pour le butin, hop, hop, je trouve pas de spawner à blaze. C'est rempli de blaze dehors, mais je trouve pas de spawner. Voilà, mais c'est pas grave. Ça me fait quand même, hop, j'ai quand même beaucoup de bâtons comme ça. Là j'en ai 5, c'est pas mal. Là il y en a un là, touc, ok. Il y en a près de... Il y en a juste à côté... Hop, non, je sais pas pourquoi. En fait, je croyais que c'était un... Je croyais que c'était un ghast, le... Hop, la structure en os. Hop, ok. Lui, c'est bon. Lui, c'est bon. Lui, c'est bon. Voilà, faut que j'aille récupérer les quelques bâtons. Et je pense qu'on va pouvoir faire 2-3 reproductions de dragons, déjà. Ce qui sera pas mal. Hop. Déjà, ça nous permettra vraiment de voir si... Ah ! Ouais, c'est cool. J'en ai combien? Toujours 5, et il me faudrait un 6e bâton de blaze. Là-bas, il y a des verrues du nether. Ouais, mais j'en ai pas besoin. Tiens, coucou toi. Voilà. Ok, c'est bon, j'ai mes 6 bâtons de blaze. Donc normalement, je dois pouvoir faire pas mal de soupe là. Juste, il faut que je fasse de la place dans mon inventaire, comme d'habitude. Hop, voilà, nickel. Il me refaut des lisses de feu. Voilà. Et donc, des bols j'en ai, et des mélanges pour faire 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok. Donc là, voilà, je vais tous les faire reproduire. Ah mince, la dragonne, elle est descendue, ça m'arrange pas. Et voilà, donc là, on va voir, si j'ai que des œufs verts et gris, c'est que du coup, ça prend que la couleur des parents. Si j'ai du rouge... Et eh ben ce serait extraordinaire, ça veut dire qu'on pourrait faire toutes les couleurs. Mais à mon avis, ça va prendre que les couleurs des parents, je pense. On va voir. Hop, on va lui dire m'escorte. Est-ce qu'ils peuvent se reproduire tout le temps ou pas? Ouais, on dirait que oui. Ça n'a pas l'air d'être genre comme dans les vaches où faut attendre. Ok, ah c'est bon, c'est un rouge ça, non? Cool. Alors attendez, je vais avoir un dragon rouge, ça c'est génial. Un dragon gris, est-ce que je peux de nouveau les reproduire ou pas? Attends. Non. Là, c'est bon. Ok, je crois que c'est bon. Voyons voir. Ah bah, c'est chouette, ça! On va pouvoir avoir toutes les couleurs avec seulement 2 dragons, normalement. Un autre rouge, ok. Et on va pouvoir le refaire encore une fois. Hop. Je sais pas si j'ai donné à un ou à tous les deux, là. On va voir. C'est bon ou pas? Et vert! Et bah c'est cool, c'est parfait ça! Ok, chouette! Alors du coup là, les dragons pour l'instant se reposent. Ils se reposent tous les deux? Non, pas lui. Voilà. Ok. À la limite, il faudrait que je fasse plus de cornes de dragons pour pouvoir ranger un peu mes dragons aussi. Il faudrait que je les, comme des cryopodes dans Ark, que je les range par. Que je les range dans des coffres presque. Alors des cornes de dragons. Hop! Voilà, genre là, le papa et la maman, on va les ranger. Il va me falloir aussi un briquet pour allumer le feu. Je dois en avoir un ici, parfait. On va dormir parce qu'il a l'air de faire nuit plus de la pluie. Ah, visiblement, il faut aussi que je mette de la lumière sur mes nids de dragon parce qu'il y a des monstres. Alors si le creeper explose ou si des squelettes marchent dessus, ça se trouve, ça peut être gênant. Donc va falloir faire attention à ça. Donc hop. Vous, pour l'instant, vous rentrez, c'est plus simple. Et alors, est-ce que je peux ramasser les... Je dois pouvoir ramasser les œufs. Si j'utilise à la main. Ok, c'est bon. Hop. Voilà, on va les mettre là. Et là. Ok. On va les allumer comme ça. Lui, pouf. Lui, pouf. Ok. Ensuite... Premier dragon rouge, ça c'est cool. J'ai hâte de voir les dragons rouges, évidemment, c'est souvent les plus beaux. Donc j'ai hâte de voir aussi, on va voir aussi en plus les couleurs des yeux qui vont différer, donc ça peut normalement. Donc ça va être pas mal. Ok, donc là voilà, on a 4 œufs de dragon en incubation. On va attendre, est-ce que j'ai des torches? Je vais mettre un peu de torches, tiens par exemple, là où il y a déjà eu. Hop, voilà. Je mets quelques torches pour éclairer le nid, parce que sinon... On va avoir des problèmes. Voilà. Bon, c'est pas très bien dispersé, mes torches. J'ai fait un peu n'importe quoi. Voilà. Ok. J'attends la naissance des dragons. Normalement, on commence par ces deux-là. Quoi? Je viens de accomplir le défi duel de sniper? Ah, c'est pas moi.
Basilic s'est fait tirer dessus par un squelette. Tuer un squelette à au moins 50 mètres de distance, d'accord. Et bah, il y a un de mes basiliques qui a tué un squelette à 50 mètres de distance et après il est mort. Mais du coup, ça m'a donné le succès, c'est rigolo ça quand même. J'ai pas beaucoup de nourriture, bon, c'est pas grave. Bon, les bébés dragons devraient pas tarder à arriver. Je vais sortir le dragon niveau 3 ici. Voilà. Bouge pas. Voilà. Et comme ça, après, les 4 bébés dragons avec la corne de dragon. Mais non, j'ai dit bouge pas, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit bouge pas, stop, stop. Vos escortes R se reposent. Voilà. Et après, comme ça, je vais les aligner. On va pouvoir comparer les 4 dragons. Et puis, on va pouvoir voter pour lequel est le plus beau des dragons. Bon, bah c'est quand vous voulez, les cocos. Parce que là, ça fait déjà pas loin de 5-10 minutes, donc ça devrait pas tarder. Je ne sais pas si le dragon vert, là, qui va sortir à gauche, il est émeraude ou vert. J'ai l'impression qu'il est plus vert qu'émeraude. Bon, on voit pas très bien parce qu'il est dans les flammes. Mais vous voyez, on est plutôt sur du vert. Oups. On est plutôt sur du vert pâle plutôt que du émeraude, je trouve. Ça se trouve, il y a un autre vert. Attendez, il y a quoi comme couleur de dragon? Dragon. Alors, comment ça marche? Il y a émeraude. Ah bah non, ça doit être émeraude parce qu'il n'y a pas vert. C'est marrant parce qu'il ressemble pas à... Il a l'air vraiment un vert plus foncé, mais bon. Ah ça c'est marrant, on vient d'avoir les deux premiers, et ben c'est ils ressemblent comme deux gouttes d'eau à leurs parents. Émeraude avec les yeux orange. Voilà, donc on a exactement alors se repose. Le lui, il est noir avec les yeux jaunes, je dirais que c'est exact. Tiens bah mince, il est parti où l'autre? Il est tombé. Ah bah non, il est parti là. Donc c'est exactement le même que son père. Et là, on a les dragons rouges qui viennent d'arriver. Alors du coup, on a rouge, les yeux orange et rouge, les yeux orange. Ah, c'est marrant. On dirait quand même qu'il y a, je sais pas, dans les gènes, un petit truc parce que ils sont quand même très... Par contre, en fait, je sais pas. Est-ce que les dragons de couleur émeraude ont forcément les yeux orange? Je ne sais pas. Ce serait une bonne question. Alors, R se repose. Non, 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 se repose. Voilà. On va tous les aligner. Bon, en tout cas, les rouges sont super classe, évidemment. Hein. J'adore les dragons rouges. Hop, voilà. Et tu veux pas regarder par là, toi? T'es pas très pratique comme dragon. C'est peut-être moi, je t'ai mal mis. Non, sérieusement. Regarde par là. Voilà, super. Donc, R. Non, non, se repose. Se repose. Voilà, ok. Et les autres dragons. Hop. Bon, en tout cas, ils sont trop mignons. Donc voilà, on a nos quatre dragons. Donc on a deux jumeaux, hein, on peut dire. On a les rouges et les... Bah, les rouges aux yeux orange, voilà. C'est mâle ou femelle? Donc mâle, femelle, femelle et mâle. Ok, on a deux mâles de femelles, on va tous les nourrir un petit peu. Donc voilà, donc là, ces dragons-là, à part le rouge que j'aime vraiment bien, où je pourrais potentiellement faire un dragon de combat, les autres, voilà, vont être là pour grandir, pour faire partie de la colonie de dragons, et potentiellement plus tard, je dis bien plus tard, pour être sacrifiés pour la forge des dragons. Donc voilà, bon ça on verra un peu plus tard, il va falloir beaucoup de temps pour qu'ils grandissent, hein. Si je les nourris pas, ils vont prendre un jour toutes les 20 minutes. Donc c'est-à-dire que même si je laisse tourner mon PC pendant 2 heures, ils vont avoir pris 6 jours. Donc dans la théorie, il faudrait quasiment que je laisse tourner le serveur pendant 24 heures ou ce genre de truc. Mais il faut quand même les nourrir, sinon ils décèdent. Donc je peux pas non plus les laisser tout seul en totale autonomie. Donc c'est quand même un peu compliqué, hein. Vraiment, cette armure en forge de dragon, elle est vraiment... je sais pas si on peut vraiment la faire. Ça me paraît super compliqué. Bon, j'ai faim, j'ai plus de nourriture. On va essayer de voir s'il y a quelques poules disponibles pour nous nourrir. Parce que c'est... Ce qui est bizarre, c'est que des poules, là... J'ai une épée qui enflamme. Et j'ai eu aucun poulet cuit. C'est bizarre quand même, cette histoire. J'en ai des poules là-dedans. Ouais, ah, il y a un basilic, attention. Hop, il est là. Hop, ok. On tue quelques poules. Ouais, j'ai pas de poules. J'ai pas de poulet déjà cuit. C'est bizarre quand même. Hop. Faudrait peut-être que je mette plus de poules dans ma machine à poules. Je dois pas en être à 24 parce que je trouve que j'ai pas une production de poules énorme. Bon, voilà, je me refais du poulet rôti. Et moi, déjà, je vais pouvoir me nourrir. Ce qui est pas mal. Bien, les bébés dragons de feu, c'est fait. Donc on a dit maintenant, hein, il va falloir attendre quand même pas mal de temps avant qu'ils grandissent. Donc il faut qu'on parte sur une autre quête en attendant. Donc on a deux solutions. Soit je mine ici dans le désert, ou alors en fait il faudrait que je trouve un autre désert pour être bien.
Ouais, on va faire ça. Le mieux serait que je trouve un autre désert. J'essaye de trouver des dragons de feu que je tue pour récupérer des écailles. C'est marrant, les dragons, dès qu'on s'éloigne un peu, on les voit plus, les petits. Bon, c'est pas grave. Donc j'essaie de trouver un autre désert. Je trouve des dragons de feu. Comme ça, j'essaye, eh bien évidemment, de récupérer sur eux des écailles pour pouvoir faire potentiellement la forge de dragon de feu dans quelques épisodes. Et surtout, j'essaie de trouver du diamant. Comme ça, on fait un peu cette fameuse quête de full diamant pour ce dragon de glace. Ce serait vraiment pas mal. Donc, on va prendre justement le dragon de glace pour se déplacer. Ah, j'ai pas du tout de nourriture. Ok. C'est un problème aussi, cette nourriture. Il faudrait soit agrandir les champs, soit que je me fasse aussi, mais j'ai pas de vaches et de moutons en proximité, je les ai tous tués. Mais voilà, il me faudrait en fait aussi. Bon, il faudrait que ma ferme à poules soit encore plus efficace, sinon, tout simplement, ce serait pas mal. Bon, je vais pouvoir me faire du pain, je vais replanter du blé, je vais aussi re-reproduire encore les poules pour en avoir plus et du coup avoir une plus grande production de poules. Et après, voilà, je pars à la recherche d'un désert où. Ou d'une jungle. Je crois qu'il peut y avoir des dragons de feu dans la jungle, normalement. De toute façon, je vais le savoir avec ça, hein. Le Legendary Dragon Seeker. Faudra peut-être que j'en refasse bientôt un, parce que celui-ci est bientôt cassé, mais sinon, voilà. C'est quand même pratique. Donc, ça me fait combien? Ça me fait 7 pains supplémentaires. Est-ce qu'il me reste des pommes dorées? Je vais en prendre une aussi pour les combats contre les dragons. Voilà. Bon, c'est pas mal. Avant de partir dans un autre désert, je vais quand même explorer ce désert-là. Enfin, le désert qui est juste à côté de moi, parce que j'ai pas tout exploré, évidemment. Je prends mon dragon de glace, hein, j'ai envie d'utiliser le dragon de glace un peu pour changer. Et puis je trouve vraiment sympa pour attaquer les autres dragons. Et du coup, on essaiera quand même de trouver quelques dragons de feu, ce serait pas mal. Ah, mais on peut l'utiliser, ça! On entend un bruit? Je pensais que je pouvais pas l'utiliser sur mon dragon, c'est cool! Là, ça fait pas trop de bruit. Vous l'entendez peut-être pas, hein, c'est très léger. Ouais. Ah bah c'est pas mal, c'est-à-dire qu'il y en a un pas loin. Ah, là ça fait fort, là vous allez commencer à l'entendre. Ok. C'est pas très fort non plus. Attendez, si je descends, est-ce que je l'entends plus? Ouais. Ah, attendez, ça se trouve c'est sous l'eau. Vas-y, vole, dragon. Je vais essayer de trouver à peu près la zone. Hein. De toute façon, vu qu'il faut que j'aille miner du diamant, il faut que je cherche à plusieurs endroits. Non, là c'est moins fort. Là c'est moins fort. Là c'est plus fort. Là c'est bien. Ok, et eh ben on va miner ici. C'est parti. On mine ici. Donc je descends couche genre moins. Enfin, j'essaye, je vise la couche moins 10 pour essayer de trouver du diamant quand même. Mais il faudrait que, entre-temps, je m'arrête à une grotte pour essayer de trouver le dragon, quoi. Ça, tout ça, c'est de l'argent. Faudrait que je le ramasse aussi, allez, quand j'en trouve. C'est vrai que c'est pas mal. On en trouve en plus dans les nids de dragons de glace. Ça pourrait permettre de faire un stuff full diamant pour un. Enfin, full argent, du coup, pour un dragon. Ce serait pas mal. Donc là, je suis couche 37. C'est parti. Oh bah, je tombe directement sur le dragon. C'est super. Hop. Mais attendez, je suis sûr ou dans? Non, je suis sur son nid. Ok, parfait. Et bah, c'est cool. J'ai pas pris de fiole. Mais c'est pas grave, parce que justement, ce que je cherche, ce sont des écailles. Donc, il faut pas que je prenne de fiole. Donc, on est bon. Sympa la zone, c'est un biome Mesa, ça, c'est quoi? Ouais, il y a un biome Mesa aux alentours. Ouais, c'est rigolo. Je peux peut-être descendre. Tiens, il y a du diamant ici, je vais le récolter. Je peux peut-être descendre directement par le biome Mesa pour arriver par en dessous. Enfin, sous le nid de dragon, quoi. Hop, voilà. On va descendre comme ça. Hop, on tue quelques petits monstres au passage. Wow! Ok, le nid de dragon, il est par là. Mince, il y avait du diamant là-haut. Ah, puis il y a deux diamants là aussi. En fait, il y a plein de diamants dans la zone. Alors attendez, je ramasse déjà les diamants. Bon, il n'y en a qu'un ici. On va se mettre ici le nombre de diamants que j'ai. Donc 2 pour l'instant. On va aller ramasser les deux qui sont au plafond minimum. Et non, en fait, je suis sous le nid là. Ouais, je suis sous le nid du dragon. Donc c'est pas mal. Je vais pouvoir accéder directement à lui pour l'attaquer. On l'entend, il est réveillé. Alors, trouvons un petit endroit pour l'attaquer. Bof.
Hop. Non. Pourtant, je suis au centre du nid, je pense, là, à peu près. Ok. Maintenant, faut que je le trouve. Oh, c'est un dragon rouge, cool. Hop. Enfin, après, maintenant, j'en ai des dragons rouges. C'est quoi, ça, Enderman? Boum. Hop, Enderman, pas tout le temps. Voilà, Enderman cramé. Ah non, dis donc, il lui reste pas de vie. Boum. Ok. Boum. Ok, bon, faut remonter. Alors, il y a un autre diamant ici, et c'était pas très pratique, je trouve, là où j'attaquais pour mon dragon, donc je vais quand même me mettre un peu sur le côté, comme ça. Juste les coordonnées, 2300 840. Ok, on va essayer de s'en souvenir si je décède. Hop, des petites pièces. Et voilà. Alors, est-ce que je peux l'avoir, là, le dragon? Il est où? Faut que je le trouve. Il est pas là. Mince, on m'embête. Pourquoi je crame? C'est le dragon qui m'a cramé ou c'est autre chose? Je sais pas. Ah, j'ai pas d'eau. Vu que c'est un dragon de feu, faut que j'aille chercher de l'eau. Bon, il y en a plein là, donc ça va aller. Ok, là, le dragon est vraiment juste au-dessus de moi. Je peux pas vraiment le rater. Enfin, si, je peux, mais hop, c'est quand même pas mal. Ok, par contre, là, il va s'envoler peut-être pour partir. Ouais, c'est bien. C'est bien. J'ai de l'eau si besoin. Il est en train de voler, mais je pense qu'il est assez profond. Il va avoir du mal à rejoindre la surface tout de suite. Bah, il crame même les zombies, visiblement. Ok. Je pense qu'il a plus trop de points de vie. Ça a l'air d'être un dragon de niveau 5 au moins, vu la taille. Je pense qu'il est mort, là. Il bouge plus beaucoup, je trouve. Ok. Bon, là, on arrive vraiment à bien éclater les dragons. C'est cool. Hop. Creeper, ça s'en va. Zombie, on enlève. On enlève. Hop, voilà, on récupérera les diamants après, j'enlève hop les quelques monstres qui restent, et par contre j'ai plus de place du tout dans l'inventaire. Alors, il y a des diamants dans les coffres, c'est cool, bon je peux prendre l'or aussi à la limite pour faire toujours un stuff full or. Bon, du fer j'en ai vraiment beaucoup, je cherche vite fait s'il y a des diamants. Oui, il y en a un là, là aussi il y a hop, un squelette qu'il faut enlever. Hop, diamant ici, donc j'étais à 10, je suis à 14, celui-là c'est pas mal. Ok, et on récupère du coup les ressources du dragon rouge. Qu'est-ce qu'on a? Ok, tiens, il y a ici une petite araignée qui était cachée. Ok, donc visiblement c'était un mage, je pense pas qu'on ait d'œufs de dragon, non. Ok, par contre j'ai des écailles. Qu'est-ce que je peux enlever? Ça, j'en ai deux. Voilà, donc j'ai des écailles, tout ça. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, niveau diamant, j'en ai 14. C'est pas extra, mais on a trouvé le dragon tellement rapidement. Ça vaut quand même le coup. Là, il y a encore des diamants ici. Je suis à plus 16 et plus 17. Ok, c'est cool. Je vais quand même essayer d'aller redescendre dans le biome Mesa de tout à l'heure. Il y avait l'air d'avoir quand même pas mal de diamants. Si jamais j'en trouve d'autres, ce serait cool. Ah, la grotte a l'air très très grande. Pour l'instant, je vois aucun diamant, mais une fois en bas, ça devrait être pas mal. Ouais, il y en a des diamants. Il y en a là, tout droit. Et puis, de toute façon, c'est tellement grand. Je pense que j'ai de moyen de trouver en tout peut-être une trentaine de diamants avant de remonter à la surface. Donc, ce serait pas mal. Faut juste que je cherche bien partout. Donc, on est à 17 diamants. Dommage, il n'y en a qu'un. Donc, on passe à 18. Là, l'avantage, c'est que je suis en couche moins 37. Donc, potentiellement, pourrait y en avoir partout des diamants. Mais il n'y en a pas tant que ça. Il y en a eu plein près du dragon. Et là, pour l'instant, j'en trouve plus. Ah bah si, j'en ai plein là-haut. J'en ai au moins 3. Donc, c'est parfait. Donc, on passe de 18 à... Il y en a au moins 5. 18 à 24. 4, 27, 30. Ben voilà, j'avais dit 30, c'est pas mal. Je fais quand même un petit tour encore vite fait pour voir s'il n'y en a pas d'autres. Mais là, du coup, ça nous fait 3 blocs de diamants en plus pour nos armures. Alors là, c'est grand, mais je vois rien. Bon, de visuel, je trouve rien, donc je re-rentre à la maison. On se fait nos 3 blocs de diamants supplémentaires. Niveau place, on va enlever pour l'instant ça. Donc je suis à 6 blocs. Donc à mon avis, je peux faire déjà un des éléments supplémentaires. Je peux faire la tête. Faut que je fasse le cou ou la queue. Alors ça, ça fait quoi? Le cou. Allez hop, nickel. Ça, je vais les reprendre tout de suite. Je range juste un peu tout ça.
Niveau écailles de dragon, mine de rien, de dragon rouge, on en a pas mal. Ça, c'est feu, ça, c'est feu, ça, c'est feu. Ça aussi, je pense que tout ça, c'est du feu, normalement. Donc, mine de rien, la forge de dragon, on peut peut-être la faire dès le prochain épisode. J'ai peut-être pas assez d'os de dragon. Je veux dire, j'en ai beaucoup, mais ça se trouve, ça suffit pas. Ça, ce sera à vérifier. Mais voilà, sinon c'est cool, c'est pas mal. On va ressortir le dragon de glace et on va pouvoir lui mettre un élément supplémentaire de diamant. Alors attends, non, il faut rien avoir dans la main. Hop, ça et boum. Ok, voyons voir. Il est vraiment tout petit, il faut vraiment que je fasse grandir ce dragon. Mais sinon, il est trop classe. Bon, eh ben nickel. Eh ben voilà. Donc, on a un semblant de nid de dragon pour l'instant. Ça commence. On a nos bébés dragons, mine de rien. On commence à en avoir vraiment beaucoup. C'est très cool. On a cette dragonne-là, donc, qui est magnifique. Il lui manque plus qu'un élément d'armure. Et donc, je pense que prochain épisode, en plus, je suis niveau 34, c'est pas mal. On essaye de faire la forge de dragon de feu. Comme ça, je me fais une meilleure épée en dragon électrique, ce serait enfin en épée en acier de dragon. Après, ce qui pourrait être même pas mal, c'est peut-être aussi, je crois qu'on peut faire la hache, tout ça. Je pourrais me faire un peu toute la panoplie. Voilà, la hache en acier de dragon de feu. Bon, la pelle, peut-être pas besoin, mais refaire l'épée, la hache, la pioche. Quoique ma pioche, elle est parfaite en électrique. Non, mais au moins la hache, ce serait pas mal. Chaîne en fer, similaire à la laisse. Ah ouais! On peut enchaîner nos dragons à des murs. D'accord, très bien. Donc voilà. Eh bien, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Salut!